Bonjour, nous allons nous retrouver samedi pour parler ensemble de Don Casmurro et les yeux de Ressac. Don Casmurro, c'est en portugais le nom que reçoit un personnage un peu bourru et qui est aussi le narrateur de ce roman. Personnage et narrateur, cela fait qu'il est le premier témoin de ce qu'il raconte, des épisodes de sa vie sur lesquels il revient, en particulier la jalousie qu'il va éprouver à un moment à l'égard de sa femme, et qui va le conduire à l'envoyer, elle et son enfant, en Europe. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce que il avait des motifs sérieux d'être jaloux ou pas? On voit là que il y a un certain nombre de lacunes dans son regard qui sont précisément l'espace dans lequel le lecteur va se glisser pour comprendre, pour interpréter, pour juger et pour voir surtout la magnifique mécanique romanesque à l'œuvre de Machado de Assis. Voilà, donc je vous donne rendez-vous samedi pour parler et du roman, en quelque sorte. À bientôt.